jalousie, jalousie. Bona nini wote malikunya. Maza TV ya sali nini ya. Hello de ya sali nini. Moi c'est Robert Braza avec Maman ici présent. On vous le dit à deux. Mother's TV has always been the best. I'm Braza, he's Maman. And we're gonna say it again. Mother's TV has always been the best. Yeah. Stay tuned. This is the TV channel you should watch. Bien sur notre émission Oui la vérité blesse avec Maza TV, la chaîne privée de l'Angleterre. La main bleue, un lieu là où le sapeur se retrouve. Toujours sur notre émission Oui la vérité blesse, je suis avec un homme qu'on peut plus présenter, monsieur le ministre Akwala, l'homme qui fait parler le monde entier avec la jeunesse sur la SAP. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir mon frère. Pour une deuxième fois avec Maza TV, un grand plaisir. Je suis très content de vous rencontrer. Alors, pourquoi la main bleue, monsieur le ministre? La main bleue, c'est le temple. La main bleue, c'est notre jeunesse. La main bleue, je pense à Alex Malonga, mon frère, paix à son âme. Alex Malonga, où lorsque nous étions jeunes, on a fait les booms au plateau. On a fait le scotch, le ramdam, le blue up, le grand K. Après, on s'est retrouvé en France. Et en France, bain douche et le Rex. Voilà, donc la main bleue, c'est un lieu où on peut venir ici retrouver ce qui a caractérisé notre vie à une époque. Hein. Vous savez, lorsque nous grandissions, moi j'ai grandi en face d'un bar qu'on appelait Bar Bouya. En semaine, il y avait de la musique. Le week-end, c'était une fréquentation très très importante de Congolais de Congolaises. Et parfois, il y avait un concert. Donc aujourd'hui, en fait, avec la disparition de ces lieux, tels que Bouyaba, le Temple Rouge, tels que il y avait un endroit ici à Bakongo, Baba Boom, et tous ces endroits ont disparu, et il ne reste plus que la main bleue et la détente, où on peut retrouver une certaine authenticité dans la distraction et les rencontres qu'on peut faire à Brazzaville. Donc je suis venu ici, voilà, le week-end avec, comme vous le constatez, l'ambassadeur des États-Unis, avec son adjoint et son époux. Et surtout, Fallon Barbie, qui vient de Londres, qui est une compatriote et qui est modèle là-bas, qui a tenu, mannequin, qui a tenu à venir ici voir un peu où se retrouvent les sapeurs. Donc c'est un endroit de vie. Pour une première fois au Congo, Maza TV a été invité pour le défilé. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous, ce que vous faites commence à obtenir une reconnaissance, on va dire, des officiels et des autorités. Et ça va dans le sens du rôle que doit jouer effectivement la diaspora. La diaspora, même si je n'aime pas trop ce mot, parce que la diaspora connote un peu avec ce qui est arrivé au peuple juif, au peuple arménien, etc. Mais nous, ce n'est pas du cas. Bon, en fait, il y a une période comme ça où des compatriotes, des Congolais sont retrouvés à l'étranger et puis se sont formés et par leur talent, par leur capacité, ont réussi à trouver leur voie. Et d'autres, comme vous, lancer des projets qui sont des passerelles entre le pays et le monde extérieur. Et c'est important aujourd'hui, quand on parle, si vous voulez, du village global, du fait qu'aujourd'hui, il y a une mondialisation qui est non seulement économique, mais elle est médiatique, avec les médias, les réseaux sociaux, et c'est très important ce que vous faites, et cela a impacté auprès des autorités, et c'est normal qu'on vous invite. Je considère que c'est une bonne chose. Herod Mekamona. Falsifié diplôme. Bah, c'est ça, corruption.
Maza TV always go to school. Now it's finished, it's going to graduation. You need to give him big, big congratulations. Mais c'est une émission qui dit la vérité. Et même si elle blesse, on a besoin de vérité dans la vie. Si on n'a pas de vérité, on ne peut pas avancer. Alors, ceux qui nous suivent sur notre émission, oui, la vérité blesse. Parce que aujourd'hui, on a vu au Congo, il y a un changement, la construction des routes et tout. Ceux de la diaspora, ils ont vraiment un doute, ils se posent la question, est-ce que le Congo a beaucoup changé? Écoutez, je ne voudrais pas faire la propagande. Vous êtes là, vous faites le constat, il y a des changements profonds qui sont enclenchés. Mais il est vrai qu'on peut encore beaucoup mieux faire. Et c'est en cela que on a besoin de toutes les énergies, on a besoin de toutes les lucidités, on a besoin des critiques. Et le président de la République, bon, qui enclenche ce processus, est ouvert à cela. Et nous qui travaillons, qui avons le privilège de nous retrouver au gouvernement sans avoir fait un concours particulier, comprenez, c'est un homme qui vous fait confiance et qui vous emmène à côté de lui. Et nous essayons de faire le mieux que nous pouvons. Et nous comptons sur vous justement pour émettre des critiques afin que nous puissions, si vous voulez, faire avancer les choses. Et on ne sera pas là éternellement. Il y aura d'autres générations qui viendront. Et un pays se construit strate sociale par strate sociale. Un pays se construit génération après génération. Il peut y avoir effectivement des contradictions, mais ce sont des contradictions positives qui doivent faire avancer. Il faut que nous veillions tous à une chose, c'est que notre pays demeure stable. Et pour le changement de la constitution ? Kiri 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 ya, kiri 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 ya. Kaba. Bakona bakena na kocha na
écoutez, le changement de la Constitution, le débat est ouvert. Vous connaissez mon point de vue, je l'ai exprimé. Je ne l'ai pas exprimé parce que je suis au gouvernement, que j'ai quelques avantages, quelques privilèges et que je veux maintenir ces privilèges. Non. Je suis au gouvernement, mais je ne suis pas fonctionnaire. Je suis au gouvernement, mais je m'efforce de vivre au contact des autres. Parce que hier, j'étais critique face à ceux qui me gouvernaient. J'estimais que j'avais le sentiment qu'ils gouvernaient en ayant le sentiment que je n'existais pas. Et donc, quand je le dis, c'est parce que je suis dans ma 12e année au gouvernement. Je suis revenu dans ce pays. Je suis parti de rien. J'ai créé ma société. J'ai vécu les guerres civiles. J'ai vu le prix qu'on a payé pour l'instabilité politique. Parce que, effectivement, il y a eu dans le pays des acteurs politiques qui n'avaient pas de perspectives réelles, de projets réels à proposer à la collectivité. On a joué sur les appartenances ethniques. On a joué sur les syncrétismes religieux. On a joué sur la création des clans. Et ça nous emmenait dans les travers sanglants. La main bleue là où nous sommes a été hier, pendant la guerre, un lieu d'exécution, comme à Moutabala, comme à Diata, comme à Blanche Gomez, etc. C'est notre histoire. Donc il faut qu'on ait un regard lucide face à cela. Et moi, par rapport à la mission que j'ai au nom du pays, quand je vais à l'étranger, je vois ce qu'on dit de notre pays, du potentiel avenir de notre pays. Je pense qu'il faut effectivement changer la Constitution, pas pour le président, parce qu'il faut améliorer la gouvernance publique du pays. Il faut améliorer l'efficacité de la gouvernance publique, comme tous les pays du monde la recherchent, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Australie, au Canada. Mais ces pays ont 300 ans d'existence. Ils ont déjà des soubassements, des sphères économiques, sphères industrielles, sphères administratives, sphères politiques. Et donc, les pouvoirs politiques peuvent changer sans que ça remette en cause toute la structuration de la société. Or, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce que je pense, moi, c'est que j'ai ma propre opinion, qui n'est pas celle du gouvernement, qui n'est pas celle du parti. Je pense que demain, il va falloir mettre en place une nouvelle architecture pour que nous améliorons la gouvernance, que nous luttions le plus possible contre l'impunité, contre la corruption et qu'on améliore la performance de la gouvernance publique, y compris pour ceux qui viendront après nous, après le président Sassou. Merci Monsieur le Ministre. Vous êtes bien sur notre émission Où la vérité blesse avec Maza TV. Ceux qui nous suivent, écrivez-nous et on va aussi vous donner quelques commentaires. Merci Monsieur le Ministre. Merci infiniment. La falsifié diplôme. Déjà, Banatim Banakala, tout le monde a été dans la chip. Il y a moins de diplôme, il faut féliciter. Bah, aussi, on a levé la corruption. Les corruptions de la chip, tout le monde a le chat du jour à la chip. Ou du chip, il y a un diplôme. Et ça. Tu vas le dire que Maza falsifié diplôme. Ah, jamais, Maza, il ne veut pas jamais faire ça. Maza, c'est un gars très intelligent, tu vas se mêler. C'est ça, il faut m'écouter. You know what I mean? Maza TV always go to school. Now he's finished, he's going to graduation. You need to give him big, big congratulations. Congratulations, guys.